sauf à ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est, comme vous pouvez voir, là il y a une ouverture mais on la voit pas. Donc comme d'habitude, on va mettre des éléments en noir brillant, noir glossy, comme vous voulez. Donc là j'ai commandé ce qu'il me fallait. Donc voilà, là je vais vous montrer. En fait, c'est en deux parties. D'abord, on va dire, vous clipsez ça. Il faudra déclipser l'ancien et clipser celui-là. Ça, c'est collé de côté. Ensuite, une fois fait ça, ils ont donné des rivets pour mettre ici. Sauf que moi, je ne veux pas percer le pare-choc. Donc, je vais juste les coller. Les rivets, je ne vais pas en mettre. Je sais qu'il n'y en a pas besoin. Et après, en fait, on vous enlève le double face là et vous collez ça par-dessus. Ça, c'est du noir brillant. Donc c'est parti, on va faire ça. Pour faire ça, là vous avez trois agrafes. Il faudra écarter le pare-boue. Ensuite, derrière vous passez la main et il y a deux clips comme ça. Vous les déclipsez et en fait vous sortez ça. Et vous mettez le nouveau à la place. Bon, ça c'est celui qui va de l'autre côté. Mais bon, il est là. Donc je vais déballer ça et on va faire ça. Voilà, j'ai réussi à le faire avec ça. C'était clips en plastique. J'écarte le pare-boue. Je déclipse. Voilà. Je me suis un peu sali, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est les deux clips. Bien nettoyer la surface comme d'habitude. Là j'ai ma pièce. Là, ça se voit bien. Voilà, là ils ont dit de mettre les rivets, sauf que moi je vais pas en mettre parce que percer un pare-choc pour mettre juste ça, c'est pas la peine. Je garde les originaux et si j'en mets, je vais en mettre. Ensuite, vous enlevez le face sur la pièce. En fait, pour le mettre ça, vous le rentrez comme ça et après vous le collez, vu que là il y a un guide. Et puis là ça tient nickel, ça bouge pas, nickel, pas besoin de percer, vous pouvez juste utiliser le double face. Parce que j'ai vu, il y en a qui ont percé, je trouve que c'est vraiment débile de percer un pare-choc pour mettre ça. Alors qu'il n'y en a pas besoin, ça tient nickel, voilà. Je vais faire l'autre côté, je vais remettre les clips et puis c'est bon. Voilà les amis, c'est fait. C'est beaucoup mieux. Voilà. C'est nickel. Je suis satisfait, c'est le plus important. Et puis vous, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et on se dit à la prochaine. Ciao.